Il y a presque 4 histoires dans le roman. C'est histoire, 3 histoires de 3 couples jeunes lituaniens qui décident au moment quand Lituanie rejoint la zone Schengen de partir son pays et aller à Paris, à Londres et à Rome. Et 2 couples partent pour Paris et Londres et le troisième doit rester dans un petit village près d'Anik Chai, dans l'est du pays. C'est un roman sur l'Europe, l'histoire d'Europe, Europe vieille et Europe jeune, avec beaucoup d'aventures comiques et tragiques, quelques histoires d'amour et l'histoire de vraie Europe et des migrations internelles en Europe. L'Europe, c'est le combat entre ouverture et fermeture. Chaque pays, grand ou petit, européen, est sûr que ce pays est une vraie Europe. Lituanie, c'est un petit pays magnifique. C'est aussi Europe. C'était le plus grand État en Europe dans le 13e siècle, 14e siècle. C'est les Européens qui étaient coupés de l'Europe, qui reviennent. Et aussi, s'ils sont très jeunes, mais ils ne reconnaissent pas l'Europe de laquelle ils pensaient qu'ils savent suffisant. C'est-à-dire que l'Europe pour la jeunesse, c'est une autre Europe que pour les adultes, pour les âgés. Et les jeunes européens ne savent pas l'histoire d'Europe. Et à cause de ça, il y a aussi beaucoup de problèmes, pas seulement entre les générations, mais entre les représentants des pays différents en Europe. Je suis amoureux de Lituanie pour quelques raisons. À l'âge de 5 ans, j'ai commencé à aller à l'école musicale et j'ai commencé à jouer le piano. Et dans le même moment, j'ai commencé à écrire les poèmes. J'adorais les poèmes du début du XXe siècle. Et un jour, j'ai découvert une collection de poèmes par un poète lituanien, Marcelijus Martinaitis. Et à l'époque, j'aimais seulement les poèmes des poètes morts. Et je décidais tout de suite qu'il est mort. Et 40 ans après, mon ami lituanien m'a dit que non, il est vivant et tu peux parler avec lui par téléphone. Et j'ai pris le contact avec lui. Je suis allé beaucoup de fois en Lituanie et chaque fois j'ai essayé de lui rencontrer. Mais ça ne marchait pas parce qu'il était malade ou à l'étranger, tout ça. Mais il a inventé les marches dans le lituanien éternel comme juif éternel, qui s'appelle dans ses poèmes Kukutis. Et j'ai décidé que si je veux écrire sur Lituanie, sur lituanien, sur l'Europe, j'ai besoin d'avoir le même personnage dans le roman. Et il m'a donné son autorisation. Et c'est un des personnages du roman très important par moyen des rêves et des mémoires de qui. En fait, je peux raconter l'histoire d'Europe des derniers 3 siècles. 6 mois après l'apparition du roman en Ukraine, l'Ukraine a rejoué l'espace sans visa pour l'Europe. Je crois que c'était très important à passer le message aux Ukrainiens qui aimaient le mot Europe sans comprendre qu'est-ce que c'est. C'est créer la possibilité pour les problèmes dans l'avenir parce que bien sûr, il y avait trop de rêves européens, mais pas de connaissances, vraies connaissances. Une autre chose, j'adore la mentalité lituanienne qui est très, très différente des mentalités françaises ou italiennes, tout ça. Et l'histoire est aussi très intéressante. Pour donner un exemple, je peux vous dire que vous savez qu'il y a un Christ, oui, pour toutes les églises chrétiennes. Mais les Lituaniens sont 2 fois plus riches parce qu'ils ont 2 Christ. Un Christ, c'est un Christ universel, et l'autre Christ, il s'appelle Rūpintojėlis, mais c'est le même Christ, mais il pense seulement des Lituaniens. Il pense comment il peut aider les Lituaniens dans le pays et à dehors. Oui, il y a un roman par un écrivain russe soviétique des années 1920-30, Andrei Platonov. Je ne sais pas le titre au français, mais je suis sûr que le livre a été traduit en français. Mais c'est le roman sur les gens très simples après la révolution d'octobre en Russie
qui pensaient que maintenant ils vont construire une société idéale. Et ils commencent par faire un trou immense pour construire un bâtiment pour l'avenir. Mais ils n'ont jamais réussi de finir ce trou parce qu'ils pensent qu'il faut faire le trou plus et plus profond.